Allez, salut à tous, c'est Rayek, c'est parti pour la suite de Factory Town. Donc le niveau 5, hein, je pense que de toute façon, la plupart des trucs, ça va se faire en deux phases. Alors j'ai laissé tourner, j'ai rajouté ça, hein, hors vidéo et j'ai fait tourner le jeu pendant une petite heure pour monter en fait les deux là ici, les points de recherche. Donc là je vais remettre en mode normal. Parce que là, en fait, le fer a du mal. Quoique non, c'est bon, le fer a l'air de revenir. Ah, c'est les roues maintenant qui ont un problème. Parce qu'à un moment, c'était le fer qui posait problème. Donc je vais refaire ça, comme ça va restabiliser un peu tout. Donc on était à fallait faire la tour de mana. Donc j'ai ce qu'il faut pour la débloquer. Puisqu'il faut qu'on fasse ça. Faut faire les points de recherche magique. Et pour les points de recherche magique, parce que il va falloir qu'on fasse ça ici. Donc il nous faut la transmission du mana. Et on voit que transmission du mana qui est ici, il nous faut 50 points. Et pour faire ça, c'est produit par tour de mage. Donc j'ai la tour de mage qui est là. Donc on va la prendre. Voilà. Donc on a la tour de mage. Après, il y aura ça aussi là à faire, le kit médical. Et on aura fait une bonne partie ce qu'on avait à faire. Et après, on pourra aller vendre des briques de mana dès que possible, mais il faut en vendant les marchés, je veux marcher aux maisons. Ok. Il va falloir voir faire un marché ou un truc comme ça. Est-ce que je dois pouvoir déjà en vendre? Non, je les ai pas. Oui, non, c'est que je les ai pas encore. Si, j'en ai. Il faudrait aller les vendre. Je vais les garder pour le moment. Je crois qu'on va en avoir besoin pour construire des trucs. À la limite, il faudra que je les mette dans une grange. Je vais peut-être les stocker dans une grange. Mais ici, je fais briques. Les briques de mana. Je vais lui laisser continuer à en construire et je vais envoyer tout ça là-bas. Il veut pas. Ok, yeah, ça déconne. Je sais pas pourquoi il m'a mis un truc penché, il aurait pu mettre un truc droit comme ça. Ça aurait été suffisant. Et là, je veux que tu sortes les briques. On va stocker. Voilà, parfait. Comme ça, je les aurai au cas où disponibles pour la construction ou n'importe. Je sens qu'on en aura besoin pour la tour de mana. Alors, la tour. Quoi tu ressembles? Ben voilà. Il en faut 20. Donc on va devoir attendre qu'il y ait les 20 qui soient faits. Je vais le rajouter ici, la brique de mana. Ben, j'en ai 62. Ah mais j'en ai déjà mis de côté alors. Ah bah ben oui, quel boulet. Bon, c'est pas grave, ça nous en fera un petit peu plus d'avance. C'est pas grave. Je l'avais déjà fait. La tour de mana, déjà, on va regarder un petit peu comment on la fabrique. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui amène comme saloperie? Pardon. C'est moi. Je vais la caler ici. C'est juste pour voir un peu ce qu'elle le permet de faire. Donc, elle permet de faire les tomes directement. Il faut lui envoyer des bouquins, des cristaux. Ah, des manteaux. Et ça, après, il faut l'envoyer à l'école. Ok. Problème, ça va être les manteaux. Produit par le tailleur. Ah non, c'est que dalle, c'est du cuir et ça. Alors, il va falloir que je le mette ailleurs. Il faudra que les cristaux de mana je lui envoie. Donc je vais la supprimer. Et on va la faire par là où il y a les bouquins. Parce que faudra qu'on la remette sur le circuit. Donc c'est-à-dire que je vais la foutre ici.
Et là, normalement, ça devrait envoyer... Ah putain, c'est vrai que le clic droit, ça ne marche pas pour désélectionner. Je fais ça, je vais faire ça, et ça devrait déjà commencer à stocker les bouquins. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à faire un petit chemin de sortie. Voilà. Donc, il faut que j'amène ça plus les manteaux. Les manteaux, je crois qu'ils étaient fabriqués par là-bas, non? Il n'y a pas un truc... Non, ils sont pas ici, les manteaux. Sinon, il faut que je fasse le tailleur, on avait vu. Hein. Il y avait du cuir. C'est où qu'il y avait du cuir, déjà? Il n'y avait pas un truc... Là. Avec du gold, on avait du cuir. Bon, ça fera un sacré chemin. On fera peut-être un véhicule qui se déplace assez vite. Donc en fait, il faudra envoyer le gold vers là. Salut Renek. Donc là, on va commencer à générer du cuir. Ah oui, ça les fait par 12. C'est large. Il faudrait ce cuir l'amener à un tailleur. Est-ce que j'ai un tailleur quelque part? Il y a un moyen de voir les bâtiments. Ça, c'est ça, je me suis jamais posé la question. Statue, non. Bien. Ça, c'est ce que j'ai en ressources. Ce que ça donne en ressources, ok. Ça c'est ma production, ok. Stockage partagé, ça c'est, je vois tout ce que j'ai, ok. Parce qu'on a les bonhommes, mais on n'a pas les... Il n'y a pas les bâtiments pour pouvoir aller les sélectionner, c'est un peu dommage. Taillons les tailleurs, je dois en avoir un de toute façon. Maintenant, faut savoir où il est. Est-ce que on pourrait utiliser lui? Quoique. Il va falloir que j'amène le mana d'ici jusque là-bas. Ça va encore faire un truc de malade qui va monter. Il va aller en hauteur, qui va aller jusque là-bas. Parce qu'après, il manquera plus que les manteaux à amener. Ça, c'est quoi? C'est une ferme. J'ai un atelier. J'ai une ferme qui est là. Au pire, je pourrais fabriquer derrière pour que ça envoie. Il faudrait juste que le cuir fasse des trajets. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup. On en a besoin que de 50. Donc... Ah, ça pète les plantes, zut. Ok, bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ça va, je suis bien au-dessus, là, non? Là, je suis pas encore au-dessus. Il faudrait que je monte encore un cran. Bien là. Je
je fais de ces trucs. Mon dieu. Ah, ça va pas passer la maison, je pense. Va falloir que je fasse un surélevage. Et arriver. Sérieux, ça passe. Ok. Ah, le fer est bloqué, il a pu passer. Si. J'ai l'impression que ça m'a bloqué le fer. Bah, il devrait passer, il y a un truc qui surélève. Ah, ou alors je vais le supprimer maintenant. Il n'y est plus. Eh merde, j'ai supprimé le truc en dessous. Oh là 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 là. Et en fait, il faudrait que je mette ça plutôt. Ouais, ça va passer comme ça. Ah oui, mais là, il veut pas. Ok. Alors, est-ce que ouais, mais ça a bloqué pareil les roues avec ça? Là, ça passe. Et là, ça passe plus. Ça a enlevé le truc en dessous, quoi. Le système de ciblage est vraiment pas ouf. Hein. Non, j'ai fait une erreur. Celui-là, là, c'est ça. Le truc qui clique pas aussi, ça c'est chiant. Voilà, ça a l'air de passer partout là. Ok. Donc là, je peux lui dire d'envoyer. Envoie les cristaux! Là, le problème, c'est que j'ai le coton, ça a du mal à arriver. Parce qu'il va, il prend pas partout et il le vide beaucoup plus vite que ce que ça arrive. Ok. Les cristaux sont en train d'arriver. Ils font les... Et ils devraient arriver là-dedans. Pourquoi j'ai un morceau de fer là qui bloque? Saloperie de fer. Ça rentre pas, j'y crois pas. Parce que c'est trop haut. Il faudrait que je fasse une descente. On n'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas. Super. Les trucs qui sont pas mis du tout. Et il faudra revoir le ciblage. Oh bah ça y va. Ok, c'est que c'était bon.
Ça y est, ça le met. Bon, il ne reste plus que les manteaux. Après, j'ai une ferme ici. Est-ce que... Ou j'ai peut-être un petit peu abusé sur l'herbe. Est-ce que... J'ai encore de la place. Est-ce que je ne mettrais pas du coton ici? Je l'envoie là-bas et j'ai juste le cuir à faire des un petit peu des allers-retours. Je mets un tailleur ici. Tailleur. Est-ce que je peux les fabriquer? Ouais. Ok. Donc les manteaux, c'est faisable. Déjà. Donc il me faudrait du tissu. C'est pas des versions magiques, hein. Ouais, c'est le manteau de base. Je voudrais pas stopper la fabrication. Donc je pense que le mieux. Ah ben non, j'ai une ferme là aussi. Et qui fait déjà du coton. Donc je pourrais doubler le coton pour le faire aller par là. Et j'ai plus qu'à faire venir. Pour être tranquille. Je sais pas si ça a marché au niveau du trajet. Je me crée des chariots. M'en fais deux. Je dis que ça. Tu me l'amènes au tailleur là-bas. Comme ils les prennent par beaucoup. Ils devraient pouvoir faire le chemin, je pense. Non, il trouve pas le chemin. Zut. Il trouve pas de chemin viable pour aller jusque là-bas. Ça m'arrange pas. Pourquoi il n'y a pas de chemin viable? C'est ça qui me... Le pire, c'est que je peux plus les supprimer maintenant, ces trucs-là. Est-ce que déjà tu peux arriver jusque là-bas? Le déclic, des fois, est chiant. Peux déjà aller là. Non. Tu trouves pas de chemin pour pouvoir y aller. Pourquoi? S'il faudrait pas que je fasse un chemin là. Est-ce que déjà tu peux aller jusque-là? Oui. Donc si là je fais des plateformes pour le faire passer, genre un pont. Il devrait passer maintenant. Ouf, j'ai failli niquer le bateau. Il est où? Il est là. Ça va être long, mais c'est pas très grave, vu qu'on va les amener par... Donc là, je recommence. Si je fais ça, et que je l'amène jusque là-bas, si ça marche. Est-ce qu'il me met toujours le point de... Non, il trouve pas le chemin. Alors, qu'est-ce qui bloque? Que je peux te faire aller jusque là? Oui. Tu peux aller jusque là, ok. Et tu peux aller jusque là. Et c'est là qu'il met le point d'interrogation. Donc il doit manquer un chemin. Si je fais un chemin. Là, ça devrait fonctionner, non? Ça y est, lui, il part. Ok, donc c'est bon. Allez, hop. Donc ramasser. Déposer. Ok. Là, je vais rajouter du coton. Ouais, là, je vais pas m'amuser à faire un chemin de fer juste pour ça. On verra plus tard si y a besoin d'en amener plus.
Et ici, il faut que je prenne le coton, que je l'amène jusque là-bas. Et là, ça peut toujours passer ici pour l'amener. Ok. Ah. Il veut pas. Il est trop bas. Ah, parce que c'est une glissière. Voilà, j'ai même pas besoin de faire. Donc est-ce que. Non, les deux. Ah, ils se bloquent entre eux. Faut faire une double voie. Pour être tranquille, faut faire une double voie. Putain, embouteillage, quoi. Et là, pareil, il faudrait que je fasse une double voie pour éviter les problèmes. Ah, mais faudrait qu'elle soit juste à côté l'une de l'autre. Voilà, là, ça fait double voie. Au cas où. Bon, en espérant qu'il se bloque pas. Donc là. Mais oui, non, mais ça, faut que je le transforme avant. Zut. Faut que je fasse un atelier. Voilà. Donc les manteaux, ça va pas tarder. Parfait. Là-bas, ils sont pas bloqués les deux. Non, c'est bon. En plus, là, ça va. Il y en a un qui part, un qui va revenir. Ouais, c'est bon, ils devraient pas trop se croiser. Là, ça faut que ça prenne son temps. Ça y est, on commence à avoir nos premiers diamants. Il nous en faut 50. Salut, Fol. Ça va, ça va. On avance. Là, puis en plus, on aura le coton tout le temps en permanence. Donc, ça, c'est OK. On n'aura pas bloqué le chemin, c'est surtout ça. OK. Je dis pas le bordel que j'ai fait là. C'est hallucinant. Ok, donc en attendant qu'on récupère nos petits cristaux, il faudrait qu'on fasse c'est ça. Et ça, il faut la cabane donc de médic que on a fait. Là. Et il faudrait pour faire ça, il faut qu'on débloque le kit. Médicinal, il faut les médicaments avancés. Donc ça, on doit l'avoir maintenant. Médicaments avancés, donc j'ai ce qu'il faut. Et ça permet en plus d'avoir une nouvelle recherche. Donc ça, c'est OK. Donc là, normalement, je dois avoir le nécessaire pour faire les kits. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Pof. Et là, maintenant, il va me les fabriquer. Et j'en ai 25 à faire. Et je crois qu'on peut les revendre hein, en plus ces trucs là. Ouais, ça donne des pièces bleues. Donc on va prendre un bonhomme qui va nous les amener et qui va les revendre. J'arrête de me tromper dans les trucs. Là, je vais faire un bonhomme. Et ça. Il va aller nous le vendre. C'est au marché? Non, c'est où qu'il faut qu'on l'amène? Ça non. Un autre truc, faut l'amener, c'est ici, à l'apothicaire.
Voilà. Les petits bonhommes, ils y vont. Tap, 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 tap. Et on y va, et on y va. Ok. Bon, après, ce sera les 2000 pièces où là, on va rigoler. Il faudra des capes magiques. Ah, des briques de mana, déjà. On pourrait les amener. Alors, c'est qui prend les briques de mana? C'est pas lui. Là non plus. Et là non plus. Donc je pense qu'il doit falloir un atelier spécifique, je pense. Qui doit être la tour, non? Ou la transmission de mana, peut-être pas. Minage en profondeur. Locomotive, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y aurait? Énergie de mana. Bijoux magiques. Je voudrais bijoux magiques, mais j'étais pas là dans la liste. Donc il doit être débloqué par quoi? Mmh. Mmh. Ah non, faut la recherche. C'est là, pardon. C'est l'énergie de mana qu'il faut. Énergie de mana pour le débloquer. Il va falloir le niveau technologique 7, donc c'est après, donc on n'en aura pas besoin. Bon, sinon on pourra donner ça aux maisons directement. On pourrait déjà le faire. Je vais prendre un gros chariot. À mon avis, il va devoir faire un détour de psychopathe. Autant qu'il aille un peu vite. Et on va voir nos premières pièces. Ouais, il est obligé de faire le tour. Bon, on est combien? On est à 12. Ok, c'est pas mal. Il y a quoi d'autre qu'on peut faire comme recette? Ouais, les manteaux chauds, les trucs comme ça. Aux airs. On pourra faire des chaussures, ok. Et là... Pour le moment, je peux rien faire. Pour faire les tomes, version supérieure. Ok. Avec bientôt les tuyaux de mana qu'il va falloir. J'ai encore de la place ici. Oui, j'ai de la place ici. Juste trouver comment l'amener jusque là-bas. Il va falloir faire un truc par là. Ah, il aurait peut-être pu passer par celui-là. Pour chercher. Il y aura un tour qu'il fait, lui. Ah ouais, non, non, mais il fait un tour de psychopathe, lui aussi. Ça y est, j'ai mes premières pièces. Allez, 2000 à avoir. On approche de la fin. Il faut que je construise des forges magiques. Ok. Il y en aura deux autres à faire, mais je pense qu'on est bien là. Et là, il faudra 100, donc il faudra qu'on les amène jusque là. Dès qu'on aura les 50 ici. Là... C'est bon, on a bientôt les 25. Donc c'est ok. On peut déjà aller faire les forges. On s'en fout un petit peu. Il
regarde un petit peu s'il n'y a pas des trucs qui pourraient aider. Ça, on s'en fout, on les a déjà. Le cuir, on s'en fout. Ouais, ça, Osef. Ah, là, il y aurait. Là, amener des manteaux, ça ferait des capes magiques. Ok. Mais bon, on n'en a pas besoin pour le moment, donc. Les capes magiques, c'est 7 pièces quand même. Et il faut quoi pour faire ça? Ah non, faut amener les capes magiques. Il faut de la laine, 2 diamants et un comme ça. Ouais, ça fait un peu cher quand même. Et là, ah oui, on peut avoir la laine avec de l'or, mais il n'y a pas de l'or autour. Donc c'est un peu con. On va être méchant. Oh! A plus de pierres? C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai le minage en profondeur, je crois, non? Non, je ne l'ai pas débloqué. Ben, tiens, on va en profiter, on va voir un peu ce que c'est. Minage en profondeur. Donc, puits de mine et fournir des pioches. Alors, ça en produit quand même de temps en temps. S'il reste un peu de fer ici. Ah, dac, ça m'a débloqué le truc et ça permet d'en avoir. Alors, je sais pas comment ça marche, ça. D'accord, depuis que j'ai débloqué le truc, ça en refournit. Moins, j'ai l'impression. Et encore, je suis même pas sûr. Ah, je peux chercher ce que je veux. Minerai de feu, minerai d'air, minerai d'eau, minerai de terre, minerai d'or. Ah, à mon avis, on doit pouvoir avoir l'or grâce au minage en profondeur, en fait. Ça doit être ça, le truc. Ok. D'accord. Bon, ben, c'est bien, en fait. Ça nous a débloqué... Sans que ça pose de problème. Parce que je pense qu'il y a certaines mines qui doivent commencer à tirer la gueule. Parce qu'il y en a qu'on a bien exploité là depuis le début. Parce que le bois, lui, ça pose pas de problème. Mais dès qu'on touche à la pierre ou au... Voilà, j'en ai un qui est coincé et il peut pas sortir. Et il sortira pas. Hein. Ok, il restock. Pareil, le charbon, au bout d'un moment, il faudra sûrement mettre des mineurs. D'ailleurs, ils fournissent plus de charbon, là. Donc, on va les laisser déglinguer le charbon. Je devrais peut-être mettre une mine. Pas pris. Parce que si je fais la pince, voilà. Ok, parfait. Il n'y a pas une mine de pierre quelque part? On a eu le fer. Et il l'attend. On n'a pas assez d'herbe. D'accord. Rajouter des gens. On prend de la place. Voilà.
Ok. 22, ça arrive, ça arrive. Vingt-troisième, 24e. Mais la version supérieure, je peux pas le faire parce que j'ai pas encore les tuyaux de mana. Donc je suis obligé d'attendre. Je me demande si on va pas essayer de faire un truc là-bas. Est-ce qu'il y a de l'or? Là, je pourrais faire une mine avec de l'or. Le coton, enfin la laine, serait fournie par ça. Donc ici, il faudrait que je fasse une mine. Et il faut des rails métalliques. Une mine. Tunnel souterrain qui étend la portée des mines et permettre la récolte des minéraux souterrains proches. Ok, si je fais ça, la place là. Hein. Si je fais ça, si je lui dis, je veux de l'or. Faut lui amener des pioches. Il trouve pas d'or dans cette zone. Ah, faut peut-être chercher, faut peut-être prospecter. Il n'y a pas de minerai ici. Là, il y a de la pierre. Et comment on fait pour aller plus bas? C'est étrange. J'ai beau regarder. Là, on voit toujours le même type. Alors, sinon, il faut faire l'autre truc. Il faut pas que je fasse des rails. Que l'or à amener, sinon ça va être loin. Bon, c'est pas la première fois qu'on amènerait les trucs de loin, mais parce qu'il y a du gold ici, mais c'est pas ça qu'on veut. Après, ici, qu'est-ce qu'on fabrique d'autre? On en fabrique les pierres polies et autres, donc on s'en fout un peu. Rail métallique, c'est l'atelier mécanique qui les fabrique. L'atelier mécanique qui est là. Il y a encore de la place dans le... Non, il n'y a plus de place. Parce que j'ai mis des briques là-dedans. Et est-ce qu'il ferait les rails? Ah, il a tout pour faire les rails métalliques que j'aurais besoin. Il y a même cette version-là, qui est le plus simple. Non, celle-là, ce serait mieux, mais j'ai pas de planche qui arrive. Il y a des clous, il y a du fer. Sinon, c'est pas grave, hein. Ouais, ça y est, ça c'est bon. Les pièces, je pense que ça prend son temps parce que ben le temps qu'ils fassent l'aller-retour, les autres, je vais peut-être en mettre plus, mais j'ai peur qu'ils... Oh, ils seraient pas coincés. Mais allez vous faire peur. J'y crois pas, quoi. Il y avait un endroit où il pouvait se bloquer. Ben voilà. Non, mais sérieusement, quoi. Il y a là aussi, il pourrait se bloquer. Il va péter les arbres. Pour être sûr qu'il puisse passer. Tout pour faire chier. J'en ferai pas plus des trucs comme ça pour être sûr, mais j'ai peur qu'ils se bloquent au bout d'un moment.
quoi les pièces, ça? Il s'est bloqué, c'est ça? Pourquoi? J'ai rien fait de plus? Pourquoi tu te bloques? J'ai pas fait de... Ça, ici, ça bloque. Ok. Là, il ne doit plus être bloqué, c'est ça. Oh là 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 là, faut vraiment faire. Quoi que je pourrais faire un chemin par là, ça lui ferait gagner du temps. Même là, je pourrais leur faire gagner un peu de temps. Éviterait qu'il fasse le tour, voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on n'en ferait pas un deuxième pour que ça aille un peu plus vite? Après, je pourrais faire un chemin pour que ça aille direct là-bas, mais est-ce que... On va s'imposer ça. Il faut que j'envoie aux maisons, hein. Peu importe la maison. On va gagner des pièces de toute façon. Ok. Est-ce qu'ils vont se bloquer? Parce que là, ils passent par où? Et ils passent là-dessous? Même pas. Oh là là, oh mon dieu, il passe juste là. Ah non, mais ils vont se bloquer au bout d'un moment, les deux. Oula, mais il y a trop de chemin, là. On va tripler la route, là. Pour éviter les embouteillages. Oh mon dieu. Non, il passe quand même par en haut. Pourquoi ? Il peut pas passer par là. Et si je fais un chemin... Non, ah, peut-être si je fais un chemin là, il pourrait passer. Ouais, ça y est, c'est bon. Il prend le chemin là. Ok, il n'y a même pas besoin de faire ça. Bon, maintenant, faut éviter que... Faudra pas qu'ils se croisent ici. Oh, ils vont le faire. Sérieux. Non, 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 non. Vous croisez pas là. Il hein. Y a combien de chances pour que ça arrive sur ce timing-là? Non, mais sérieusement. Non. Non. Vous croisez pas. C'est bon. Eh, mais sérieux, c'est quoi ce timing-là? Ils font exprès, hein. Sinon, il faudrait que je fasse un chemin qui passe par au-dessus. J'en fous, il passe par en dessous. Mais au cas où... Ah bah non, mais c'est qu'il peut pas. Au cas où, ça fera un chemin de... Il y en a qui fera un détour. Il devrait trouver le chemin au cas où. Allez, 32,
ça va progresser. 33 bientôt. Peut-être les 2000 pièces, ça va être long. Après, il y aura les tuyaux, mais ça devrait aller. Je vais peut-être commencer à faire le cheminement pour y arriver. Devrait être bon hein, parce qu'on a plein de trucs qu'on fait partir de là. Ok, bon, là pour le moment on n'a pas, donc ça sert à rien qu'on le mette là. On aurait pu faire du tout droit hein. Mais bon. Ok, lui il passe toujours vérifier que les deux se bloquent pas. Ah, il y en a un qui a l'air d'être passé par là-haut. Non, c'est le cuir, c'est que ça arrive par là-bas. Il n'y a pas un moyen de faire arriver plus vite. Un chemin par là. Ça coûte pas grand-chose, les chemins à faire. C'est du bois. On en a plein du bois. Si je fais ça... Ouais, deux. Ah, mais après, c'est le problème, il est par là en fait. Ah. Il a fait demi-tour pour prendre le chemin, donc ça marche. Ok, donc ça fonctionne. Comme il a été bloqué, il a pris l'autre chemin. Ça, c'est cool. Ça fonctionne. Est-ce que cette fois-ci il va passer par là? Est-ce qu'il va considérer que c'est plus court? Ils iront un tout petit peu plus vite avec ça. Non, il a l'air de prendre le... Si, si, c'est bon. Ok, il considère que c'est plus court. Parfait. On optimise un peu. Entre guillemets. Oh, ce bordel. Et là, il va passer par là. Et si jamais ça bloque, il y a un chemin de secours. Et là, les deux, ils se suivent, l'un derrière l'autre, là. Ah, tiens, il passe sur le côté. Mort de rire. Bon, normalement, je pense que j'ai dû... où les chemins, ça devrait aller. Là, on devrait bientôt avoir nos...
Là, il ramène 2 fois 4. Il faudrait encore un aller-retour, je pense. Ah non, ça prend... Non, ça prend 2 par 2. Il va falloir plus d'aller-retour que ça. Mais c'est déjà pas mal. J'ai pas des trucs à les bloquer qui seraient pas mal. Parce que la locomotive, etc., on va pas s'amuser à le faire. Ça, on s'en fout. Et là, il faut les 50. Ah bah oui. Il n'y a plus de place. Et que c'est full. Ok. Ah, je peux level up. Oh bah on va le faire. Ça va améliorer partout. Une spécialité. D'où le potentiellement la sortie des recettes apparentées. Est-ce qu'on produit beaucoup de trucs de là-dedans? Non. Ça à la rigueur, le traitement. Tout ça. On devrait, ça va aider pour le faire. J'ai vu. Et l'or. Donc ça ira plus vite. Ok, le fer ça fournit. Donc c'est bon. Il cherche les gisements un petit peu plus bas. Bon, nos amis ne se télescopent pas. Donc c'est bien. Ils allaient prendre des chemins un petit peu. J'aime bien, ils prennent des chemins différents si besoin. Lui, il va où, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le chemin qui... Ah, d'accord, il amène ici, ok. Pardon. On a gagné des pièces. Putain, les 2000, elles vont mettre 300 ans. Je vais peut-être rajouter des chariots. Ça va aller plus vite. Je me vois mal amener ça là-bas, directement. On en a fait que 100, là. Après, on verra. Peut-être que la tour permet de... De gagner plus. Parce que peut-être que les tuyaux, ce sera peut-être mieux, non? Non, même pas. Peut-être construire quelque chose après qui permet de gagner plus de thunes. Ah, pour le moment, on n'a que ça, hein. On va en faire d'autres. Il veut pas. Il atteint la limite de chariot. Oh, il y a des maisons juste là, vas-y. Après, jamais j'arrive à mettre une maison là, mais elle sera pas à portée de tous les trucs. Donc ça sert à rien. Et 48, il manque 2. Donc normalement on devrait avoir les allers-retours là qui devraient être ok. Après c'est vrai qu'on pourrait créer des maisons différentes à côté. Parce que je peux créer plusieurs centres-villes.
Et donc mettre des maisons autour, etc. Ok, ils ont l'air de pas se bloquer, c'est déjà bien. Oh, le trafic. Ah, c'est les roues qui manquent. J'ai plus de roues en bois, ok. C'est qui les fabriquait? C'était où que c'était fabriqué les roues en bois? Ça devient problématique dès que tu commences à avoir plein de trucs. Pour trouver qui c'est qui faisait quoi. Je crois que j'en avais juste un certain nombre et j'avais pas fait. Bon, c'est pas très grave. Ça y est, j'ai les 50. Nouveau bâtiment débloqué, récepteur de mana. Nouvelle structure, connecteur de mana et tuyau de mana. Ok. Est-ce que j'aurais besoin d'encore des cristaux comme ça? Non. Ok. C'est déjà pas mal. Donc là, je dois pouvoir. Ça y est, je peux faire mes tuyales. Et là, je veux que tu me fasses les tuyales. Voilà. Va falloir en faire 100. Et ici, on va les caler. Pour qu'il y ait les 100. Là, ils arrivent. Ok, bah il manquera plus que les pièces. Et malheureusement, les tuyaux, ça permet pas d'avoir des pièces. Ça m'a débloqué Dotcraft. Non. Maintenant, j'ai le transmetteur de mana, je crois. Émetteur de mana. Yo, connecteur de mana. Ok, ça c'est des trucs pour après. Donc, émetteur de mana. Je vais juste le poser pour voir ce que ça fait. Son. Ok, on peut mettre des cristaux. Et ça peut les envoyer à distance, c'est ça? Ah, ça permet de. D'accord. Ça permet d'aller chercher du mana en. En profondeur, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être une mine comme les autres trucs. Ok. Bon, bah là, maintenant, faut attendre. C'est le problème. Je pense que je vais faire le chemin, mais c'est dommage, on n'a rien pour vendre. Peut-être que je. Bâtiment, j'ai quoi? Maison, marché alimentaire, magasin. Taverne, apothicaire. Ah, magasin spécialisé. Ah, ben c'est peut-être ça. C'est peut-être lui qu'il faut que je fasse. Si je le mets par là. Ou je peux le mettre un peu plus bas. Je pense que c'est les arbres qui m'emmerdent là. Vu que ça a besoin de ça.
Et pose ici maintenant. Ça touche 21 maisons. Donc il y a besoin de quoi? Il y a besoin des robes magiques. Donc c'est les tentes d'enchanteurs qui permettent de le faire. Les baguettes magiques, c'est combien? C'est 8 quand même. Les baguettes magiques, c'est ce qui serait le mieux. Les baguettes magiques, il y a qui en fait? Donc là, non. Il y a déjà des bouquins, mais... Je crois que les livres enchantés, ça... Non, ça fait que du point de... Ça fait que de l'XP. Ok. Là, il y aurait ça, à la rigueur. Et ça, mais oh, il faut tellement de trucs. Au secours. Mais pas une où il y avait la... On avait les baguettes, un endroit. C'est là les baguettes, je crois. Non, même pas. Donc ça faudrait venir ici. Mais là, il faut de l'or, c'est le problème. Parce que les cristaux, on les a, c'est pas un souci. J'étais persuadé qu'il y avait des baguettes quelque part qu'on pouvait faire. Ils disent chez qui on peut faire les baguettes. Ah, c'est les tentes d'enchant. Il faudrait... Ok, les trois de planches renforcées. Machin poli. Et ça, j'ai ici. Mais on n'a pas la suite. Les bordes de saligo. J'étais persuadé de l'avoir vu quelque part, mais bon. À rigueur, celui-là resterait le moins compliqué à faire. On pourrait faire une plantation de coton pour faire les robes. Les cristaux, on les a ici. Le cuir, on l'a là. Parce que les tentes, moi, je peux pas les faire pour le moment. Non, c'est bloqué. Ah, il faut l'énergie mana. Pour les avoir. Ah, ça change tout, là. Énergie mana. Il faut débloquer. Niveau 7 de technologie. Ah, bah ça va arriver. Ça va arriver, bientôt. Mais je pense qu'il va falloir beaucoup de ça. Allez, ça arrive bientôt. Là, c'est un peu lent à mon avis parce que le temps que ça les fabrique... Ok, c'est bon. Encore une fournée. Et c'est ok. Ça y est, c'est bon. Je peux même arrêter d'en faire. Pas gâcher les ressources pour le moment. Ah, je suis à 96, il faut encore une fois, zut. On va attendre les cristaux. Ok. Bon, la tendance, ça continue à monter, hein. Ok, j'ai plus besoin. Là, j'ai les 100. J'ai la technologie niveau 7. Alors, combien il en faut que je pleure? 500!
me doutais que ce serait beaucoup, mais pas 500, quoi. Vu la vitesse où je les fabrique, autant faire les autres trucs, hein. Faut que je fasse des roues en bois. Ça va manquer sinon. Ah, là, j'ai plus de roues derrière. Faut que je fasse une grange. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir refaire des trucs qui vont véhiculer pour éviter qu'ils se bloquent. Alors, déjà, je peux amener le cuir ici facilement. On va faire ça. On va juste faire un truc tout simple parce qu'on n'aura pas besoin de beaucoup. Travailleur, chariot. On n'a besoin que d'un seul. Récupère le cuir et tu l'amènes là-bas. Voilà. Ça, c'est OK. Ça, je vais virer tout ça. J'en ai pas besoin. Ah, ils font quand même le tour par là-bas. Ah, à mon avis, ils ont dû être bloqués. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le tour. OK. Alors. Donc là, c'est bon. Je mets le cuir. Il va falloir que j'amène. Des cristaux, on en a là. Donc au pire, je peux faire la forge, etc. par ici. Je peux faire une ferme ici. On peut caler une petite ferme par là. Ça va très bien. Même je peux la mettre par là plutôt. Ce sera plus simple. Voilà. Sauf que la ferme... Moi, je veux du coton. Ah, j'ai des sous là. Ouais, ça va, 38 000. Ça devrait aller. Hop, allez, on plante du coton pour qu'il y en ait suffisamment. Il va falloir que je fasse un atelier derrière. Ok, donc j'ai le coton qui est là. Derrière, il me faut un atelier. On va coller pas très loin. Voilà. L'atelier, je veux que tu me transformes le coton en tissu et ça va venir de là. Après, le tissu ou un tailleur. On va coller juste à côté. Je fasse gaffe à pas bloquer le chemin jusqu'à ça. Et le tailleur, toi, je veux que tu me fasses des chemises. Et la ressource va venir de là. Et il peut pas déposer, c'est pas très grave. Et toi, tout ce qui va sortir de là, on va le faire aller là-dedans. Voilà. Donc dès que ça va pousser, on va avoir les... On va avoir les... comment ça s'appelle ? On va avoir les chemises qui vont arriver. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à amener le mana jusque là. C'est tant que ça bloque tout le monde pour les cheminements, quoi qu'ils peuvent passer sur le côté. Parce que lui, il fait quoi, là ? Il sent qu'il est bloqué, il fait le tour. Oh là 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 là, mais sérieux ? Oh, l'IA ! Il y a des problèmes, hein. Il va me falloir une forge.
Une forge à mana, de toute façon, une forge magique. Et je pense que là, je vais mettre un chariot pour envoyer des trucs. S'en fout. Et la forge. Ça, c'est la forge qui permet voilà, de faire des cristaux de mana. Il me faut un truc de forestier. On va pas s'emmerder. Quoique les cristaux, je peux les faire tomber direct de là, donc. Mais il m'en faudra un pour que ça mène de là à là. Donc, toi, tu me récupères le bois, tu me l'amènes là-dedans. Toi, tu me récupères les cristaux et tu me les enverras ici. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à envoyer, à faire une mine là-haut. Et j'ai plus qu'à envoyer les cristaux en bas. Le pas de bol. Ok. Et après, il me faudra un d'ici qui va envoyer. On va prendre un petit chemin là, un petit travailleur ici, qui va me ramasser ça et qui va me les envoyer là. Il gagnera plus de sous comme ça. Normalement il devrait pas se bloquer. Il reste de la place pour. Je pourrais même en faire un deuxième si je veux. Donc là, on n'attend plus que ça fabrique. Il manque plus que les. Voilà, là, c'est en train de pousser. Sauf qu'il me manque de l'eau. C'est ça. Bon, il me fait. Non, j'ai oublié de dire que je voulais ma. Bah. Coton. Voilà. Ça y est, la production est en cours. Ah, il n'arrive pas à les avoir, ça lui envoie pas. Ah, ça me saoule. Et là, ça passe. Ça y est. J'aime bien les cristaux qui vont passer par là, qui vont se faire recharger, qui reviennent là. J'aime beaucoup le fonctionnement. Ah, ça en met un certain nombre, non? Ça recharge pas tout. Ah oui, ça prend un peu de temps, ok. Et ça peut en avoir que 4 à la fois. Bon, au bout d'un moment, quand t'as les 20, ça sert à rien de. Ça sert à rien d'en mettre plus.
Bon, ça y est, c'est en train d'être transféré, donc on va gagner un petit peu plus. On va gagner quand même 4 fois plus que... On va envoyer par 2, et là, 6, 3 fois plus, on va gagner. Donc c'est déjà pas mal. Là, ça va être 3 fois plus, ça va être bien. Là, j'ai pas besoin de mettre plus rapide, parce que... Il n'a pas le temps de les fabriquer de toute manière, et puis là, il arrive au bout, là. Donc limite... Là, je suis limite. Je peux poser encore des maisons. Après, est-ce que je ferais pas un truc à la con? Alors, j'explique. C'est pas grave si c'est un petit peu. Est-ce que je peux poser normalement un centre-ville. S'en fout, là, le but est de gagner des... Je me cale un centre-ville ici, il aura moins de chemin à faire. Et je fais le centre-ville ici. Je crée... le magasin spécialisé. Je me fais... J'en fais un qui va là-bas, de toute façon. Je me fabrique, je me mets quelques maisons par ici puisque je peux m'en mettre quelques-unes en plus. Même s'ils sont pas contents, je m'en fous. Le but, c'est essayer de finir vite ça. Je me crée un nouveau travailleur avec chariot. Et je lui dis... Récupère-moi ça et amène-les ici. Ah, il voit pas les maisons. Ah oui, il faut faire des chemins pour les maisons. C'est vrai. Voilà. Faut que les maisons soient reliées avec des chemins. Ah, il veut pas. Il veut pas. Et si je fais ça, ok, il a 4 maisons. Voilà, déjà on envoie ça, ça va aller plus vite. Là, on envoie de partout pour les pièces. Il me restera juste à poser une forge n'importe où, et puis c'est bon quoi. On en met une là en plus. C'est pas la bonne forge. Ressources insuffisantes, il me faut quoi? Il me manque. Ah, je dois pas avoir assez de planches. Bah si, les planches c'est bon. J'ai pas assez de briques de pierre. C'est ça le problème? Non, c'est bon. J'étais un petit bug. Ah, c'est le temps que... D'accord, c'est les planches renforcées. Il devait m'en manquer un petit peu. Ok, elles vont se refaire. Ok, ben maintenant, faut attendre. Alors, il n'y a pas de truc pour accélérer le temps. Je n'ai pas de souvenir. Bon, là, ils n'auront pas de bouffe. Si, je peux mettre un petit bonhomme. Il leur envoie de la bouffe. Je vais même faire un... est-ce qu'il peut récolter ? La question. Non, il peut pas. Il a pas de main. Ce qui est dommage, c'est que les, on peut pas supprimer les. Ouais, à moins qu'on puisse le faire par là. Non. Il y a rien pour virer les travailleurs. Tu l'as fait, ben tu te débrouilles, voilà, t'as créé un travailleur, t'es obligé de t'en occuper. Là, est-ce qu'il a ce qu'il faut? Ouais, c'est vrai que je vais le mettre ici. Bon, c'est un travailleur
Allez, donner de la bouffe un petit peu là-bas, parce que sinon j'ai peur qu'il... Ah, ça veut pas. On va faire un magasin. Ah si, je fais le tour. Ça y est, il y va. C'est juste... Donner à manger aux maisons. Voilà. Il fait déjà l'upgrade, lui. Bon, bah, on a fait un quart. Maintenant, faut attendre. C'est un peu dommage, ce truc-là, pour valider. Parce que si je le valide pas, je peux pas avoir le niveau supérieur. Donc, je suis obligé de valider à ce niveau-là. Zéro. Bon, après les bleus, c'est pas très grave si j'en fais pas beaucoup, mais alors, tu as un soudain qui étend la portée des mines et permettent la récolte des minéraux souterrains proches. Tout ce que tu peux faire avec le train aussi. Faire des barrières. Tu peux bloquer le mouvement pour que les petits bonhommes s'arrêtent. Ça, c'est excellent. J'ai peut-être accéléré ici, une pensée. Qui me les fabrique plus vite. Quoi qu'il y a déjà les 20, c'est lui en fait qui est lent. Et là, je peux rien y faire. Je peux pas aller plus vite à ce niveau-là. Je peux pas aller plus vite malheureusement. Là, c'est on est obligé d'attendre que ils fabriquent les. Après, le problème, c'est les cristaux. Et encore, même pas. Parce que c'est le temps qu'ils fabriquent de toute façon le truc. Le cristal arrive chargé, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je me demande si j'ai pas arrêté de. D'amener des cristaux ici, hein. Ça sert à rien. De toute façon, il est en attente, il a pas besoin. Au bout d'un moment, ça va être plein, donc. Viens là, toi, en attendant. Ça sert à rien que tu livres des cristaux. Parce que là, à mon avis, il y a une boucle permanente du truc. Et ça, c'est ajouter un boost de pièces. Ça fait quoi? Ça dure combien? Oh! Et ça dure combien de temps? Ah ouais, c'est plus... c'est beaucoup plus rapide.
Bon, après, il n'y en a pas sur la tente, mais... Parce que là, les cristaux chargés, ils arrivent vite. De toute façon, mes pièces, elles montent plus vite. Hein, non, elles descendent plus vite, là. Non, même pas, ça stagne. D'accord, au bout d'un moment, tu peux accélérer le truc. Bon, là, j'ai pas besoin de booster. Là non plus. Bloque pas, c'est bizarre. Ah, il n'arrive pas à les distribuer, c'est pour ça. Ça va pas plus vite. Cinq, six, sept. Est-ce qu'il voit les 7? On voit que 5. Il y en a deux qui voient pas. Et il la voit. Pourquoi il la voit pas? C'est... Et si le chemin est juste là. Sinon je vais pas m'emmerder. Hop, dégage. Donc c'est le temps de consommer, j'ai l'impression. Comme ils ont pas assez de trucs différents. On voit du bois ici. On essaye pour que ça aille un peu plus vite. Hein. Parce que ça dure un certain temps, je crois. Vitesse de consommation, 90 secondes. Durée du bonheur, 120. Donc toutes les 90 secondes, il m'en enlève 20. Voilà, là, il y en a eu un autre. Ça va aller un peu plus vite. Après, il faudrait que les maisons boostent de niveau. Ah, tu veux pas leur envoyer du bois? D'accord, il veut pas. On pourrait faire un atelier, envoyer des planches. Et c'est bizarre qu'il veuille pas. Ah, pourtant, il veut bien. Matériel. Parce que plus on leur envoie de trucs, plus ils sont contents. De l'eau, je préfère un puits. Pour que ça les fasse monter de niveau.
Il veut pas, pourtant il devrait pouvoir le faire. Ok, super. Parfois, je te demande. Moi, les trucs. Ou au pire, non, c'est bon, je sais. Dépose là-bas. Ok. Allez, bientôt la moitié. Non, on peut pas accélérer. C'est dommage, ça manque une petite accélération du temps. Là, ça en fournit suffisamment. Alors là-bas, ça doit les consommer beaucoup plus vite. Peut-être faire un chariot de plus pour que ça les amène jusque là-bas. Ça en fera deux. Vu que le chemin est quand même assez long, un seul est peut-être trop. Peut-être trop. Ça fera gagner un petit peu de temps. Normalement, ils ont plein de chemins pour pouvoir ne pas se croiser et que ça pose problème. T'as le nombre de chariots qui se déplacent. Je suis sûr que j'aurais fait le train, ça serait allé plus vite. Ah, 50. J'ai pas un truc à débloquer à 50. Non, c'est 100. Pour faire que le tome coûte soit plus mieux. Et là, il n'a rien à déposer parce qu'ils ont tous de l'eau. Voilà, hop, il en a mis. Il les envoie à tout le monde. Il faudrait que les maisons montent de niveau pour que je puisse le monter de niveau lui. Donc, c'est-à-dire leur fournir des ressources plus ou moins plus variées, quoi. Ils veulent des lingots d'or? Je leur donne, moi, des lingots d'or s'ils veulent. Ah, il faudrait que je fasse un marché. Ce serait plus simple pour le. Pour le bois. On fait un mini village. D'ailleurs, ce serait plus simple que je le mette là, le marché alimentaire. Toi là. Ouais, non, non, non. Dépose ici. Voilà, comme ça, ça va distribuer à tout le monde plus vite. Ok. Capacité maison plus 8. Pour que le tome soit plus meilleur bon. C'est ça, ouais, tout à fait. Pourquoi il dit qu'il voit pas des maisons? Ah, parce qu'il faut les routes. Voilà. On gruge pas du tout. Pas du tout. Pas du poisson là qui traîne. Ah, puis je peux mettre plus de maisons encore. Oh yes. En près des routes. Voilà. Ça va aller encore plus vite. Ah, celle-là, il la compte pas parce qu'elle est pas assez haute. Si, il donne des trucs dedans quand même. Il la compte? Non, il la compte pas.
Allez, on booste ça. J'ai mis un sacré boost là. Ah, celles de là-haut sont pas prises en compte. Il en prend que 9 et lui prend les 13. Pourquoi il prend pas celle-là là-haut? Parce que le personnage est bloqué, il peut pas y aller. Et 10. On n'est pas au meilleur endroit. Hein. Non mais c'est pas possible ce truc, c'est sérieux. Allez, on lui veut envoyer du bois, c'est ça? Le système de chemin, il a vraiment des problèmes. Et je dirais qu'il n'est pas au point en fait. Tu veux pas récupérer du bois, toi? Ça va, j'ai fait à l'aide 10, 8, 9. Celle-là, là-haut, il n'arrive pas à les. C'est dingue ça. Pourtant, elles sont reliées avec des chemins, donc. Ça y est, elles ont été eues. C'est bon. C'est parce qu'il y en a 13, ça porte malheur, ça fait chier. Ah, lui, non. Lui, ça veut pas.
Le cheminement ne va pas jusque là-bas. Et je vais pas m'emmerder. Voilà, il a les Thérèse. Allez, il manque plus grand chose et c'est bon. On aura fait une fausse maison et ça suffit. Ouais, il y a des problèmes de. Des fois, ouais, c'est un peu spécial. Pourquoi il est bloqué? Ah, oh, lui, il est bloqué maintenant. Et là, il passe. Mais. Pardon. Le pathfinding, il a un peu de mal. Hein. Ah. Nice block, si c'est bon. Mais non, c'est bon, je passe. Je te bloque quelques secondes, mais c'est bon, je passe. Allez, il manque pas grand-chose. Il en aura fini. Hop, il y en a un qui recule, qui fait bon, non, mais c'est bon. Il cherche toujours son chemin, mais il y arrive. Ok, bon, mais c'est parfait. Et là, les cristaux, ça tourne, en fait. Il n'y a aucun problème. T'es pas obligé de le re-remplir. Ça détruit pas les cristaux, en fait. Ça les utilise. Donc, au bout d'un moment, t'en as mis un certain nombre, et puis hop, et tu t'en fous, ça tourne. Ce micmac, ouais, c'est clair. Bon, je crois que le plus joli, il est quand même là. Hein. Avec les trucs qui passent au-dessus, etc. Pardon. Celui-là, à mon avis, servira pour la miniature, là. Il est magnifique, celui-là. C'est ce superbe bordel. Ouais, la pierre, j'ai à mon avis, doit manquer quelque part là. Je dois avoir une ressource pierre. Ah oui, mais là je mets du charbon, mais c'est pas du charbon que vous avez besoin, c'est de la pierre. Bon, c'est pas grave, de toute façon on arrive à la fin. Allez, il manque plus grand chose. Il manque que dalle et c'est bon. On sait qu'on va en chier pour le prochain. Là, je pensais pas qu'ils avaient fait tant que ça dans le jeu. Je pensais que ça s'arrêterait plus tôt. Ou que ce niveau de la progression. Parce que là, ils nous donnent beaucoup de choses à faire d'un coup. Quoi. Il y a beaucoup de nouveautés d'un coup sur le truc. À chaque fois que tu prends un niveau, il n'y a pas une progression constante à chaque fois. C'est Borderland. Bordelland, pardon. Ah ben voilà, tu vois. Hop, deux qui se bloquent. Hop. Voilà, il se bloque plus. Oh mon dieu. Pardon. Allez, donc pas grand chose. Giga bordel en prévision. Ouais. Mais après, le problème, c'est que la map, elle était pas vraiment ouf. Au niveau du. Comment dire. De tout son emplacement, etc. Des ressources. Elle était vraiment à des endroits pas ouf. Là, pour le moment, il faudrait qu'ils arrivent à.
Ça y est. Oula. Bientôt. 1982. Mais c'est bizarre, normalement ils devraient les porter par 4, donc ça devrait donner plus d'un coup. C'est bon. Bim! Yes! Ben de la campagne, ce numéro 5. Que c'est limite de pire en pire les maps. Pas la map en elle-même. Je dirais. Je vais quand même sauvegarder. Je dirais surtout. Ce qui. C'est pas la map, mais c'est. Ça dépend, ils te mettent des ressources, des trucs comme ça. Mais après, je sais pas si c'est tiré, c'est aléatoire ou pas. Si c'est fait exprès. Enfin bon. Pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube, comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage. Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Twitch, quittez pas, on part sur autre chose.